Marie. Et on change de son. Ah, oui. Écoute, il avance. C'est OK. OK. Ah, il y a 13 personnes qui sont déjà... Ah, déjà. Ça va, Christiane, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, c'est parfait. Alors, Marie, j'entendais moins bien. Marie, je t'entends moins bien que Christiane. Mais je ne sais pas pourquoi. Attends, je vais essayer d'approcher. Attends, je mets les deux écouteurs, finalement. OK. OK, Morgane est là, Natacha, Elisabeth, coucou. Bonjour à tous. Alors, on va attendre c'est un là. Petit okay. peu. Ouais, on va encore attendre un petit peu. Ah, il y a Elisabeth, hello. Le Paradis, le Localine, Chantal. Bonjour à toutes les trois de Normandie. Ouais, bonjour à tous. On va attendre un petit peu. Il est 28, on a 2 minutes pour que... On voulait que le live s'enclenche bien, parce que vous savez que nous, en forme de Lotus, on est niveau technique, surtout moi. Moi, je n'ai pas les chats. C'est-tu normal? Je ne vois pas les chats. Ah, ouais, non. D'accord. Ah, si, normalement, tu devrais voir le chat, Christiane, sur le côté. T'as que ton écran? Ah, oui, ça vient d'apparaître. Parfait. Super. Voilà. C'est bien. Ah, on est prêts. Alors, bon. Alors, on attend tranquillement. Attends que tout le monde arrive. Je suis tellement contente de te présenter à ceux qui nous suivent sur ce live, qui nous suivent sur En forme de Lotus. J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec Christelle ce soir avec toi. C'est un pont d'amour, un pont de lumière fabuleux. Bonsoir à tous. Mm-hmm. Et on va pouvoir aussi vous présenter, mais aussi dialoguer et... comme nous le faisons d'habitude, nous sommes dans le don d'amour, comme tous ceux qui nous suivent, parce que voilà, bonjour Karine, bonjour Elisabeth, bonjour Suzanne, bonjour Patrick. Bonjour du Caire. Ah, bonjour du Caire. Salut Gwenaëlle, on est vraiment dans ce don, dans cette solidarité d'accueillir et de donner, de recevoir. Alors voilà, j'ai hâte qu'on puisse nous se présenter et puis lancer ce live tous ensemble. Merci d'être nombreux avec nous. Donc, il est l'heure. Donc, je ne sais pas si les Québécois sont encore là parce qu'il est 13h30. Et, en tout cas, ce sera possible de regarder le replay et de le partager aussi sur ton côté, chère Christiane. Oui, donc, tout à fait. OK. Alors, pourquoi on crée cet événement, les filles? Parce que normalement, Christelle et moi, on devrait être... à Trois-Rivières, on devrait être chez toi, en fait, Christiane. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, une grosse larme. On avait programmé de faire cette conférence de lumière, cet entretien, près de chez toi pour commencer à amorcer cette liaison entre les deux continents, en fait, de créer ce pont de lumière, cette solidarité. Et puis, avec le Covid, ça ne s'est pas passé. On s'est dit, mais c'est quand même bien dommage de ne pas créer cette connexion parce qu'on a besoin de cette solidarité, de cette connexion de lumière. Alors, bien sûr, elle se fait sur plein de conscience de façon multidimensionnelle, mais c'est quand même bien sympathique d'échanger et de nous entendre, d'écouter aussi ce qu'on a à partager. Bonsoir de Suisse. OK. Donc, ce pont de lumière que nous avons créé, c'est comme ça qu'on a appelé cet événement. C'est ce que tu as vu, toi, Christelle. Est-ce que tu as vu ce pont de lumière? Est-ce que tu peux en parler? Parce que c'est toi qui dis, je vois ça. Oui, Marie, quand on s'est parlé la première fois, puis on a pris la décision que tu viennes au Québec avec Christelle, j'ai tout de suite vu apparaître un pont de lumière rose, mais qui partait de la France et qui s'en venait ici au Québec. Puis je peux vous dire qu'il est très actif aujourd'hui, je le vois très bien.
Il y a des milliers d'étoiles dans ce pont-là, dans le moment, c'est comme plein d'électricité. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui passe. Il y a beaucoup d'amour, j'en ai des frissons partout, les larmes aux yeux. C'est tellement beau, ce pont de lumière qu'on établit entre la France et le Québec. C'est merveilleux, c'est que de l'amour, que de l'amour. Que de l'amour, et puis on avait créé ce lien, hein, Christelle, on avait créé le groupe des liens Céleste, oui. Parce qu'on voulait aussi, pendant cette conférence, ou pendant ce temps au Québec, on voulait faire un événement aussi de musique, et on voulait avoir cette intention de chanter et d'exprimer aussi la conscience, de libérer les liens entre nos deux terres et nos ancêtres aussi. Celles. Voilà. Alors, il y a plein de choses à libérer, les Amérindiens, etc. Mais nous, on s'était concentrés sur les liens celtes parce que c'est ce qu'on avait reçu des guides. Donc, ouais. on le fera quand on viendra prochainement. Ah, c'est sûr. Oui. Voilà. Oui. Il y avait ça qu'on avait ah, voulu ah, faire, oui. Et on le fera bientôt. On le fera. Ouais. C'est certain, ce n'est que partie remise. Complètement. Voilà. Donc, voilà, je voulais quand même le mentionner parce qu'on a créé ce lien celtique, il existe toujours et donc il va venir un peu plus tard et on partagera avec vous. Tout à fait. Donc ce soir, on va rentrer dans le don de ce qu'on peut recevoir des guides, puisque Christiane aussi est un canal d'amour, Christelle aussi est un canal d'amour, nous sommes sœurs comme vous tous, frères et sœurs, mais on voulait voilà, accueillir les messages des guides. Voilà, fusionner avec vous tous. Donc, si c'est OK, les filles, on lance l'accueil. Okay. Écoute, allez, ouais, il est 19h33, c'est parfait. Alors, je me suis habillée en vert parce que les guides m'ont énormément parlé de Gaïa, de cette conscience de terre, de cette solidarité de notre humanité. De ce pont de lumière entre les continents, etc., etc. Et donc, il me demande de transmettre le premier message ce soir en vue de, waouh, de relier les ponts de lumière entre tous les cœurs de ce monde. Et d'ailleurs, la couleur verte est le chakra du cœur aussi. C'est lié au végétal, mais c'est aussi cette conscience d'amour. Donc, ben voilà, je vais déjà m'abandonner pour le premier message. Pour unir les cœurs sur plein de ponts de lumière. Alors, on va accueillir cela et puis on verra ensuite, on accueillera ce qui se passera. Et c'est si bon de s'abandonner. Merci. Ok, je suis partie. Hein. Ok. Bonjour à vous tous d'écouter ce message d'amour. Qu'il est bon de vous réunir. Et oui, Marie, ces ponts de lumière, c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes à une échelle consciente ou inconsciente en train de créer des ponts de lumière partout, infiniment grands, infiniment subtils, infiniment puissants. Car comme Marie et Christelle, vous faites à votre portée dans votre quotidien à chaque instant des ponts de lumière entre vous et vos frères, entre vous et vous-même, entre vous et le stellaire, entre vous et la source, entre vous et la planète. Vous êtes tous des artisans qui tissent graduellement des ponts de solidarité inconsciemment, juste en vous focalisant sur ce qui est bon pour vous et sur la bonté en vous-même. Quand vous vous focalisez sur le cœur, vos envies, vous ouvrez et vous tissez ces ponts de lumière inconsciemment sur cette fréquence d'amour qui va se déposer un peu partout sur votre voisin et sur cette terre. Vous êtes donc des grands constructeurs, des grands bâtisseurs et Gaïa vous remercie. Continuez à vous tourner dans vos cœurs qui permet de mettre le ciment, le liant dans votre fréquence et qui peut donc se transmettre dans ce grand champ d'amour, ce grand pont que vous construisez. Nous allons vous parler de différents ponts et de différentes zones d'amour qui sont sur cette planète et que vous devez entendre aussi car il y a tellement, tellement de modifications au niveau de votre planète, au niveau des fréquences de votre planète. Et nous aimerions aussi un peu plus vous expliquer toutes ces réunions et tous ces ponts qui sont en train de se créer. Et pourquoi c'est si important que nous vous parlons de la solidarité, d'être solidaire et de diffuser tous vos messages. Pourquoi c'est si important que Marie, Christiane et Christelle s'expriment et qu'elles fassent partager leur monde, leurs origines. Et pourquoi il est bon aussi que vous preniez le chemin d'aller chercher à parler, à communiquer, à faire parler de l'amour et de la joie à travers le monde. Alors oui,
qui sait ces ponts d'amour, continuez à vous introspecter, à ouvrir votre cœur et ensuite à le diffuser de façon solidaire. Nous sommes avec vous tous et nous ouvrons avec joie cette conférence d'amour, ces ponts d'amour incommensurables et infinis. Merci à Marie. Merci Marie. Merci, quel beau message. Merci. Ouais, c'est chouette parce qu'il y a plein de ponts d'amour partout. Ouais. Oui. Ouais. Ponts d'amour. Et c'est rigolo parce que toi, Christelle, tu parles plein de langues. Oui. Et puis j'ai plusieurs origines. Voilà, j'ai un melting pot de ponts de lumière à l'intérieur. Exactement, en fait. Donc peut-être que dans ta connexion, tu es juste plein de ponts de lumière, en fait. C'est ce que j'ai l'impression qui se passe beaucoup dans le monde maintenant, avec toutes les possibilités de se déplacer. Il y a des tas de personnes aujourd'hui qui ont plusieurs cultures, qui parlent plusieurs langues, et donc naturellement, il y a des tas de choses qui se passent à un niveau beaucoup plus mondial et global qu'à une certaine époque où on ne pouvait pas voyager, où on se mélangeait pas autant. Et rien que cet événement dans notre monde actuel fait qu'il y a beaucoup plus de points de lumière de possible aussi. Oui, oui, c'est sûr. Bah, avec la génération Internet aussi, on est. Et puis, on dit qu'on est tous connectés en fait, qu'on est de plus en plus tous connectés. Mmh. Donc, il y a des points de lumière partout. En fait, on est Internet. Oui. Ouais. Maintenant, Christelle. Oui, puis de mélanger. Excuse-moi. Allez. Maintenant, Christelle, tu comprends mieux comme pourquoi tu as voyagé autant, pourquoi tu as habité dans différents endroits, parce que on me dit que tu es allé démarrer les ponts de lumière, la base. Et il n'y a pas de hasard qu'aujourd'hui, tu sois rattaché à ce pont de lumière Québec-France. Mais tu avais ce travail-là à faire, d'aller dans les différents endroits où tu as habité. C'est pour ça que tu t'es déplacé sur la planète, parce que tu avais à partir la base des ponts de lumière que d'autres vont prendre et vont faire un pont avec. Donc, tu as été ancré des choses où tu étais. C'est comme le petit pousset qui a laissé des petits cailloux un peu partout. Ouais, j'entends. Et c'est un appel qui était tellement évident. Et d'ailleurs, ça fait encore partie de ma vie par mes activités de partage dans l'accompagnement de retraite. Justement, de pouvoir allier toutes ces expériences de connexion à travers le monde et d'ouverture sur le monde et de pouvoir le partager avec d'autres pour les accompagner vers ces ponts de lumière, vers ces connexions, vers ces libérations dans le monde, puisqu'en effet, on peut vivre beaucoup de choses chez soi, sur sa propre terre, mais quand on se connecte à une terre ailleurs que chez soi, il se passe quelque chose de différent sur un autre plan. Et tu as raison, je pense que tout ça, c'était destiné. Oui, oui. Et quand vous allez venir au Québec, vous allez traverser ce pont de lumière officiellement. Là, on le fait par la pensée, par l'énergie. Vous allez traverser et vous allez venir solidifier la base au Québec, chez nous, ici. Donc, ensuite, c'est un pont qui ne pourra plus jamais disparaître. Wow. Wow. Et il y en a beaucoup comme ça, j'en vois plein sur la planète, j'en vois qui apparaissent de partout, des ponts de lumière que les travailleurs de lumière et autres personnes sont en train de faire présentement. C'est marrant, Christiane, parce qu'on est en train de me dire en fait qu'il y a d'anciens ponts de lumière qui sont fissurés, qui sont cassés et qui vont s'effondrer un peu comme la déconstruction, j'ai envie de pleurer, la déconstruction d'une ère aussi. Et tous les ponts de lumière qui étaient établis, en fait, sont obsolètes, sont fissurés. Il y a des nouveaux ponts qui se créent un peu partout. Mm-hmm. Ce que ça te parle, c'est les ponts qui se délaissent, qui se cassent. Tout à fait. Oui, ça me parle. Oui, tout à fait. Parce qu'on défait des vieilles choses pour en faire des nouvelles, avec de nouvelles vibrations qui sont beaucoup plus élevées, avec beaucoup plus d'amour. Alors, c'est complètement différent ce qu'on est en train de faire. Mais ceux qui étaient là auparavant, ils étaient nécessaires à l'époque. Mais maintenant, on doit les défaire pour en faire de nouveaux, justement. Et je pensais que ça s'entourait, moi, de des nouvelles vibrations, que ça c'est une mise à jour. Je pensais pas qu'il y avait besoin de. Tu vois, je pensais pas, les filles, qu'il y avait besoin de casser les ponts de lumière qui étaient établis par nos ancêtres.
Moi, je pensais plus qu'il y avait besoin de faire des mises à jour et de rajouter des nouveaux, en fait, qui allaient construire ces vibrations, qui allaient transmettre ces vibrations d'amour et ces toiles vibratoires quantiques autour de nous, quoi. Donc, on fait des nouveaux ponts de lumière parce que il va y avoir un homme nouveau. Alors, on repart sur un nouveau pont. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me demandent, mais il y a beaucoup de gens célibataires présentement. Beaucoup se demandent, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que... Il y en a beaucoup qui sont dans l'attente, mais pour les célibataires, pour vous encourager, je peux vous dire que, oui, sur tous les ponts de lumière, il y a des femmes qui traversent les ponts, qui vont dans un niveau vibratoire plus élevé, mais il y a des hommes aussi, hein, soyez pas découragés. Il y a des hommes, présentement, qui traversent les ponts de lumière aussi. Donc, on a commencé un peu à délaisser la terre où on était, notre ancienne terre, on s'en va vers la nouvelle. Donc, quand on va arriver vers la nouvelle, on va rencontrer des nouveaux hommes et des nouvelles femmes. Donc, l'amour qu'il va y avoir entre les gens, elle va être totalement différente de ce que nous vivons, ce que nous avons connu. C'est le nouvel homme et la nouvelle femme. Ça va être un amour beaucoup plus vibratoire qu'un amour basé juste sur l'aspect physique. Ça va être totalement, totalement différent. Ça va être beaucoup plus grand au niveau du chakra du cœur. Puis dans le moment, c'est ce qu'on est en train de faire avec nous sur Terre. On est en train d'ouvrir les cœurs pour justement commencer à aimer d'une façon différente. Plus la paix. Il y a Jacqueline qui dit « Quand on va dans des pays étrangers à droite et à gauche, c'est aussi pour aller récupérer ses anciennes énergies de nos vies passées pour justement reprendre son pouvoir personnel. » Et je pense que c'est très juste. Et ce que j'arrête pas d'entendre depuis tout à l'heure, et j'ai commencé à le recevoir, et puis après je suis passée sur autre chose, mais par rapport au fait qu'on peut voyager maintenant autant et que les peuples se mixent, ça fait qu'on c'est en train de nous montrer qu'on n'est qu'un, on est tous un, et dans ce monde on est tous la même espèce, mais on nous a toujours mis des frontières, des différences de culture, ouais. On n'est pas pareil, alors qu'en fait, si, tout ça, c'est un grand tout, et ça, on me demande de vraiment le transmettre par rapport au fait que l'on puisse voyager, donc c'est très juste, je pense, que ce que Jacqueline a dit, et puis il y a aussi tout ce côté pont de lumière que l'on crée, et puis ben, tout ce côté de pouvoir être unifié sur cette planète. Oui, puis il y a aussi ces ponts de lumière qui sont créés avec les autres plans. Il me demande d'en parler aussi parce que. Tout à fait, oui. Bien sûr. Gaïa, mais Gaïa, elle est. J'espère qu'on m'entend mieux. J'espère qu'on m'entend mieux. Bon, oui, il y a aussi toute cette ouverture des plans qui se créent dans cette unité sur des plans beaucoup plus grands que juste entre les hommes. Et donc, c'est des plans de lumière de nos consciences. Et au moment qu'ils sont en train de. Qu'on met des pans de lumière sur notre humanité dans nos cœurs, on fait des dans nos cœurs. Et ça connecte. Et d'autres ponts de lumière, et d'autres ponts de lumière. Et en fait, c'est infiniment que des connexions de ponts de lumière. Quoi. Autant entre les humains qu'entre la Terre et ce qu'il y a dans l'invisible, dans le fond. Les anges et les archanges et tout sont tous là pour nous aider à traverser, faire la traversée finalement. Donc, pour ressentir ces ponts de lumière-là à l'intérieur de nous, avec les autres, mais aussi avec ce qui nous protège aussi. On est très guidés en ce moment-là. Beaucoup, beaucoup d'êtres de lumière qui nous aident présentement. Là, je ne sais pas si vous le permettez, je pense que Sandalphon, moi je travaille avec Sandalphon présentement, puis je pense qu'il voudrait peut-être dire quelque chose. C'est vraiment concernant la situation actuelle pour aider les gens à comprendre pourquoi on est dans le confinement. Et là, je ressens... J'ai senti l'énergie. Ouh! Parce que finalement, c'est une leçon mondiale. Ça appartient pas à un pays. Là. C'est historique, là. 7 milliards d'individus. On est tous en confinement. Il y a une raison majeure à tout ça. Et je vais voir ce que Sandalphon veut nous dire. Mais j'ai une petite idée. Merci, Christiane. Mes chères étoiles, mes chers frères et sœurs de lumière, quel grand bonheur de pouvoir adresser la parole ici sur cette plateforme où l'amour règne, où l'amour est transmis. Nous savons que cela est très difficile pour vous en ce moment. Et nous comprenons parfaitement que beaucoup d'inquiétudes sont en cours par rapport à votre futur. Qu'adviendra-t-il? Que se passera-t-il?
Tout est flou. Mais vous savez, cet espace d'arrêt et de confinement, ce grand événement qui bouleverse toute votre terre, toute votre humanité, a un grand but céleste. Soyez assurés que vous êtes bien protégés, que rien de grave ne pourra vous arriver, car vous êtes aimés et adorés par tous les êtres célestes qui sont autour de votre planète. Regardez ce que vous appelez le coronavirus, ce virus qui fait tant de ravages autour de vous. Il vous montre le contrôle de vos gouvernements, le contrôle dans le médical, le contrôle dans l'alimentation, le contrôle dans la scolarité, le contrôle partout dans votre vie, autour de vous. Mais ceci tire à sa fin. Pourquoi est-ce que vous devez voir le contrôle mondialement? Qu'est-ce que l'on cherche à vous montrer? Que vous devez vous-même lâcher le contrôle envers vous-même. Que vous devez cesser de vouloir être quelqu'un d'autre que vous. Regardez comme vous vous contrôlez vous-même, comme vous êtes exigeant envers vous-même, comme vous vous demandez d'être parfait, quelquefois, dans certaines situations, comme vous devez être parfait au travail pour être aimé. Il y a un grand, grand oubli de vous. Et le contrôle que vous voyez à l'extérieur de vous n'est que le reflet d'un contrôle que vous avez eu depuis des millénaires face à vous. Ce contrôle doit maintenant tomber. L'humanité est maintenant prête à abandonner la dureté face à elle-même, le non-amour face à vous-même. Vous êtes en train, toute l'humanité, de regarder le non-amour que vous avez eu envers vous, le contrôle de votre corps physique. Je n'aime pas mon poids, je n'aime pas mon physique. Vous voulez contrôler le physique. Voyez le contrôle que vous avez exercé sur vous depuis des vies et des vies. Il est maintenant temps de laisser tomber ce grand contrôle. Et pour que vous puissiez le voir et le comprendre, il y a à l'extérieur de vous un contrôle mondial à différents niveaux dont beaucoup ont une grande difficulté à accepter. Alors, je vous dirais, du plus profond de mon cœur et avec tout l'amour que nous avons pour vous, le secret réside dans l'amour que vous aurez pour vous. Plus vous allez entrer en vous, plus vous allez vous aimer, vous accepter tel que vous êtes, autant physiquement que émotivement, qu'intellectuellement. Acceptez totalement qui vous êtes, alors le contrôle tombera envers vous et vous verrez qu'il tombera à l'extérieur également. Tout ce qui est en contrôle sévère à l'extérieur tombera dès que vous quitterez votre propre contrôle envers vous. Nous vous appuyons et nous sommes avec vous dans ce grand cheminement et dans cette grande transformation, car ça fait des vies et des vies, des millénaires, que vous vivez d'une certaine façon envers vous-même. Et cela doit changer afin d'aller vers les nouvelles vibrations où le cœur sera beaucoup plus important que votre mental. Cela est souffrant, nous le comprenons. Mais dites-vous bien que tout ceci suit un plan divin, grandiose, et vous êtes vraiment sur la voie d'une grande libération où vous connaîtrez par la suite, nous vous le promettons, une grande joie intérieure, une grande liberté, une fraternité et une façon d'aimer que vous n'avez jamais connue jusqu'à maintenant. Continuez sur votre beau chemin, car il est parsemé d'étoiles et nous vous tenons la main à chaque instant. Jamais nous ne vous avons abandonné et jamais nous ne le ferons, car vous êtes nos frères et sœurs de lumière et nous n'avons qu'une hâte, c'est de vous retrouver. Lorsque vous serez connecté directement avec le cœur, il y aura également de grandes connexions avec nous,
plus grande que ce que vous connaissez dans le moment. Certes, il y a beaucoup de gens qui nous entendent déjà, tels Marie et Christelle et Christiane, qui sont là pour vous aider et vous transmettre notre amour. Mais viendra le jour où vous serez tous capables de nous contacter. Ce jour, ce sera une grande fête et tout le monde sera dans la joie. Nous vous remercions d'être tous présents aujourd'hui et nous félicitons Marie, Christelle et Christiane d'avoir créé ce grand pont de lumière. Beaucoup de travailleurs de lumière comme elles travaillent très fort présentement. Nous les remercions également. Restez dans l'amour, connectez-vous à votre cœur. Le secret est là, il est tout simple, il est en vous. Nous vous remercions. Nous vous aimons. Poursuivez. Amen. Merci, Christiane. C'est merveilleux, Christiane. Et j'ai tiré cette carte-là, Reich, qui est justement quitter le manque pour cette canalisation, du moins pour ce, je vais essayer de parler fort, pour ce soir. C'est donc quitter le mental. Quitter le mental, quitter l'orgueil et retrouver son retour au cœur, s'abandonner à la grâce et retourner à son intériorité dans son cœur. C'était fabuleux, Christiane. Merci pour ce message. Mais c'est tout, quand tu m'as envoyé les cartes, j'ai comme, non mais c'est le lien, hein, c'est, on est vraiment là, on est rendu là, là. Il faut vraiment, oui, il faut vraiment se connecter à nous, le secret est là. Et ce qu'on me dit, c'est qu'on a vraiment cette conscience un peu de sauver notre humanité pour aller chercher à sauver notre planète. Mais en fait, c'est en s'inclinant en fait dans notre cœur qu'on va pouvoir s'incliner et revenir aussi au cœur de notre cœur, mais au cœur aussi de la Terre. Au cœur de la Terre, c'est en s'inclinant dans son cœur qu'on revient au même cœur, au cœur de la Terre. Et que c'est comme ça qu'on va pouvoir remettre les yeux vers la Terre. De là, le confinement nécessaire. La séparation pour aller chercher l'amour en nous, se retrouver, se reconnaître et retourner vers les autres, mais avec un amour beaucoup plus grand, une connexion complètement différente. Donc, le travail qu'on doit faire, il n'est pas facile, il est difficile, mais gardons espoir parce que quand on va sortir de cette période, parce que ça ne sera pas pour la vie cette période, quand on va ressortir de cette période, notre cœur va être beaucoup plus ouvert. Donc, quand on va voir les autres, ça va être complètement différent, la connexion avec les êtres humains qu'on va rencontrer. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir. Alors, ça fait... oui, moi, j'ai la foi. Donc, j'ai l'espoir et je sais. Mm. Nous sommes l'espoir. Ça me rappelle la chanson que j'ai canalisée aussi. Oui. Mais c'est, en même temps, il y a encore des moments où ce ne sera pas forcément facile, j'imagine. Non. Sandalfon est toujours près de moi, il me dit... C'est pas naïf, quoi. On sait bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je veux dire, on pollue tous les jours avec nos voitures. Mais voilà, ça se passe sur d'autres plans, mais... Oui, mais il ne faut pas s'inquiéter, qu'on me dit. Il ne faut pas s'inquiéter. Tout est planifié. Il faut juste vivre le présent, puis garder la foi qu'on va vers un monde meilleur. Puis ils sont tous là, hein. Moi, je les sens très fort. Oui. Et toi, Christelle, est-ce que tu voudrais intervenir aussi sur ce que tu peux, toi qui es profondément reliée aux huiles essentielles, à la terre, aux animaux? Oui, à tous les... Ouais, et oui, c'est... Alors, déjà, je voulais rebondir sur le centre de la terre. Pour moi, c'est un noyau. Et cette image du noyau, donc on a chacun notre façon pour s'ancrer à Gaïa. Chacun à notre façon qui nous correspond. Moi, j'utilise le noyau de la terre. Il est là, il est très présent. Et notre terre mère, elle transmute tout en amour. Tout. Donc, on peut lui donner nos chagrins, on peut lui donner nos frustrations. Elle est là pour nous bercer et transmuter dans l'amour, comme une maman qui vient. Allez, viens là, je vais te faire un bisou, je vais souffler sur ton bobo et ça va aller mieux. Et l'énergie de la mère, c'est... Il y avait une question de, je ne sais plus, je ne vois plus son prénom, qui disait, mais comment on peut se sentir en sécurité Eh ben voilà. Par la mère, en fait.
Par la mer, par la terre. Il faut faire confiance à la terre et confiance à la connexion qu'on a avec la terre. Et la base de la base, pour moi, c'est l'ancrage. L'ancrage et encore l'ancrage. Donc toujours cet ancrage à la mer, à notre mer, à la terre. Et plus on va être ancré à cette terre, plus on va se connecter avec son noyau d'amour, son noyau d'énergie infinie, plus on va pouvoir s'aligner dans son cœur, retrouver la paix en soi et du coup pouvoir recevoir. Et ça, pour moi, c'est ça, cette alliance des trois étapes, mais ça commence toujours par la terre. Et ça, c'est important. À travers les huiles essentielles, oui, c'est vrai, je ne vais pas prendre trop de place à propos de ça, mais parce que pourquoi les huiles essentielles sont si importantes à mes yeux, c'est un cadeau de la terre, les huiles essentielles. Elles sont, alors, les plantes, pas que les huiles essentielles, mais elles ont une puissance vibratoire très élevée qui correspond à notre vibration. C'est pour ça que quand on se sert d'une huile essentielle, on se connecte à sa propre vibration dans notre corps humain. Donc, je pourrais passer beaucoup de temps à parler de ça, mais c'est pas la place ce soir de ça. Mais il y a en effet certaines huiles essentielles qui ont cette capacité. Certains d'entre vous ont du mal à se connecter à la terre et demandent comment je fais, qui n'y arrivent pas simplement en visualisation. Ben, n'hésitez pas à utiliser certaines huiles essentielles, par exemple, qui vont avoir la vibration de la connexion à la terre pour vous accompagner. On me transmet que boire de l'eau. Ancre. Tout à fait aussi. Manger, ancre, mais bien manger et bien boire permet justement d'aller connecter des fils de vibrations pures jusqu'au noyau. Oui, parce que l'eau, c'est un peu comme le sang de la terre, l'eau. Et donc, c'est un peu comme boire sans sang. Et donc, se connecter à elle dans la vibration de l'eau. Alors, c'est pour ça que l'eau pure, l'eau de la source. Ouais. Je vais vous raconter une petite histoire parce que du coup, ça me fait penser à ça. Quand je suis allée dans le cœur de la terre en Arizona, au fond du Grand Canyon, chez les Havasupai, il y avait de l'eau qui sortait de la terre, qui sortait littéralement de la terre. Et là, tous ces minéraux viennent nous nourrir. Quand on prend de l'eau d'une source, comme ça, qui sort de la terre, elle est tellement minéralisée. Et donc, c'est vraiment, comme tu dis, Marie, on se connecte à l'énergie de la terre très puissamment et elle nous nourrit en retour. Et c'est pareil avec les arbres et les plantes. Nous, on respire donc de l'oxygène et on dégage du dioxyde de carbone. Les arbres, eux, ont besoin du dioxyde de carbone qu'ils transmutent en oxygène. Donc, c'est un cercle. Et les animaux, ils ont leur place, donc il y a cette fameuse grande chaîne alimentaire. Bon, là, maintenant, on est en train vraiment de s'éloigner, je pense, de beaucoup d'entre nous. On est de plus en plus vers le végétarianisme, vers le véganisme. Mais les animaux ont eu une place dans l'histoire aussi pour un tout, pour nous aider les humains à survivre. Ils ont donné leur vie. Les Amérindiens faisaient des rituels de remerciement quand ils prenaient la vie d'un animal pour nourrir leur famille. Et donc, c'est donc la terre, les animaux, les plantes, tout ça, c'est là pour coexister. Et on est vraiment en train de revenir à cette conscience de coexistence. Et si les choses sont faites avec respect, donc pas en masse production, en masse tout, eh bien, tout est équilibre. Et là, je pense qu'on va revenir à ce fameux équilibre, cette justesse, cette droitesse, je ne sais pas si ça se dit. En anglais, c'est rightness. Et de comprendre qu'on ne fait qu'un. Encore une fois, je parlais de faire qu'un avec les peuples. Eh bien, on ne fait aussi que un avec tous les éléments de la terre. On n'est que un élément, nous aussi, sur cette terre. On n'est en rien les dieux de la terre. On est comme les plantes, comme les arbres. Vous voyez ce que je veux dire. C'est un écosystème qui a besoin des uns des autres. C'est vrai. Et on revient vraiment à cette conscience en ce moment. Et donc, c'est ce que je vois. Il y a Bruno qui dit l'eau a une mémoire. Et puis, bien sûr, manger et boire en conscience. Voilà. Oui. Donc, je voulais juste faire participer. Mais manger et boire en conscience, bien évidemment. Mais finalement, la mémoire de l'eau, la mémoire originelle de l'eau, en fait, nous purifie, nous lave. Si on la boit en conscience et on se souvient que c'est le sang originel, un peu comme tu dis, c'est lui qui nous remet en vie, en fait, à chaque instant, si on le boit en conscience, quoi. Et donc, tout à fait. Et puis l'eau,
L'eau et l'air, c'est les deux éléments dont on a besoin, qui sont indispensables. Donc, le sang et l'air, donc ce fameux échange entre les arbres et les humains pour pouvoir coexister. Eux aussi, ils ont besoin de nous, les arbres, pour exister, puisqu'ils aspirent notre dioxyde de carbone pour créer cet oxygène. Ouais. Et donc, c'est vraiment beau. Christelle, pour relancer un peu ce que tu as dit, l'eau, c'est le sang de la terre, c'est ça? Ici, oui. j'ai un ami amérindien qui dit que les arbres, ce sont les cheveux de la planète. Oh! C'est beau! J'adore! Les cheveux de la planète! J'ai trouvé ça mignon, c'est vraiment beau. C'est ouais. Amérindien. Puis ils sont très, très connectés à la terre. C'est bien parce que je pense qu'ils vont nous transmettre dans l'avenir plein de connaissances qu'ils ont parce qu'on va retourner vers la terre. Moi, je pense qu'on va délaisser. Tout ce qui est fast-food et tout ça, moi, je pense que c'est tout appelé à changer parce que déjà, là, il y a une grosse conscience au niveau de l'alimentation, là, beaucoup. Là. C'est déjà en cours. Juste pour vous dire que, voilà, on nous dit que le corps a une mémoire, bien évidemment, mais tout a une mémoire, en fait. Boire de l'eau, écouter les oiseaux, admirer la mer, les nuages, tout ce qui est en rapport, en conscience, tout ce qui nous fait vibrer, tout est vivant. Donc, à partir du moment où on regarde le ciel, on respire, on voit un paysage, on parle de l'eau, la respiration, mais c'est effectivement tout en conscience. Hein, voilà, c'est... Mais on est relié. Quand on touche son cœur, pour moi, c'est important aussi là, le cœur qui bat. Je me connecte souvent à mon cœur quand je médite et je me rappelle de certaines marches dans visualisation que j'ai pu faire dans certains lieux magnifiques de la planète. Et dans ces lieux, voilà, je sens mon cœur qui bat, la terre bat aussi. Enfin, c'est mon cœur. On est tous liés par ce cœur qui bat. Les arbres aussi respirent et ils ont aussi leur cœur. Les animaux à son cœur, la terre a le cœur, l'eau. Enfin, tout ça, c'est ce fameux cœur qui bat. J'ai envie de dire un truc parce qu'ils n'arrêtent pas les guides avec ça. Non, mais franchement, ça me fait trop rire parce qu'ils me disent faire l'amour, en fait. Faire l'amour, c'est aussi aller chercher à s'ancrer à la terre, à s'ancrer aussi dans sa sexualité, c'est aussi s'ancrer à la terre, c'est s'ancrer aussi en conscience, à l'énergie de la créativité. Oh. Oui, parce que le sacré, c'est la créativité, c'est la même énergie, l'énergie sexuelle et l'énergie de la créativité, c'est le chakra sacré, c'est la même énergie. Ça permet d'en rappeler Ida et Pingala, en fait, d'aller chercher ces deux ressources de la terre. Là. Donc, tout à fait. C'est bien s'ancrer par l'alimentation, par la conscience, on s'ancre en communiquant, on s'ancre en buvant, mais en fait, on s'ancre aussi par notre être sexuel. Tout à fait. Puis c'est hyper important. Oui, oui, tout à fait. Puis je te dirais, Marie. Ils ont bien aimé ton message, Christiane, pour les célibataires. Ah oui, ben c'est drôle parce que tu parles de sexualité. Puis c'est historique un peu dans l'histoire de la Terre, c'est historique. C'est que on change de niveau de conscience, mais on garde notre corps physique. Donc, ne pas s'inquiéter qu'on me dit que la sexualité va toujours exister, mais totalement différente, basée sur des vraies valeurs, basée beaucoup plus sur une fusion énergétique qu'une fusion juste physique. Donc, ça va être beaucoup l'énergie, ça va être très intense, mais le physique va toujours être là quand même. Mais moi, je trouve ça merveilleux. Je me dis, on va se connecter différemment, mais beaucoup plus intensément. Mais plus justement aussi, parce que on est vraiment dans cette phase du féminin sacré, du masculin sacré en ce moment, de se reconnecter à son féminin sacré, de se reconnecter à son masculin sacré, et le féminin et le masculin ensemble, juste dans la juste parce que il y a eu beaucoup d'injustices. Et on s'est perdu, on a perdu notre féminin sacré, mais les hommes aussi ont perdu leur masculin sacré. Et donc, c'est vraiment dans l'air du moment aujourd'hui, afin de pouvoir aller vers ce que tu viens de décrire, Christiane, on va laisser tomber des trucs qui sont complètement obsolètes et avec lesquels on ne se reconnaît plus, d'ailleurs. Ouais. On me dit qu'on aura un plus grand respect du physique, beaucoup plus d'amour pour le physique, un grand, grand, grand respect du corps physique. Ça va complètement changer. Marie, je voulais juste te faire un petit clin d'œil. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu plus haut dans le chat et ça m'a fait sourire. Et je remercie Margot Bigorne pour son commentaire. Tara Verte hein, chez Christelle. Et c'est marrant, Margot, je m'adresse à toi parce que ça fait très peu de temps que j'ai découvert que Tara Verte était mon énergie principale.
Et depuis que je me suis connectée à cette énergie, il y a tout mon monde qui fait tellement de sens. Donc, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Donc, je tenais à partager avec Marie ce que je ne sais pas si tu l'as eu. Oui, Marie, t'es présente lors de cette... je voulais faire ce petit clin d'œil et remercier Margot de son commentaire. Est-ce que vous voulez faire avancer par une de vos canalisations, les filles? Est-ce que vous vous sentez appelées pour partager sur le changement? Alors, en ce moment, on est vraiment dans une période d'accueil. On est en train de s'introspecter, de respirer, de se rendre compte justement de notre ancrage, de notre besoin de reconnecter à notre sexualité, à nos besoins primaires, d'aller en conscience ouvrir nos connexions, nos ponts de lumière terrestres, mais aussi multidimensionnels. Mais ça, c'est tout un constat qu'on est en train de... C'est ce qui est en train de se passer, c'est dans l'instant. Mais est-ce que vous avez envie de continuer sur un peu et l'après et... Donc toute cette histoire de on accueille, on n'a pas peur, hein, on est entouré de messages d'amour, nous sommes amour, on rentre à l'intérieur de nous, on regarde vers le sol, on regarde vers le ciel, on s'unifie, ok? Un but, il y a quelque chose, est-ce que vous sentez, vous, est-ce que vous voyez des choses? Est-ce que Christelle, tu vois quelque chose? Oui, je pense que c'est le bon moment. Je vous explique un petit peu parce qu'on a chacun notre façon de recevoir les messages. Ouais. Donc moi, je reçois les messages à travers un flow. Et je reçois plus des images et après, ça accompagne. Mais généralement, je lance sur... C'est comme quand j'écris, si on me donne un sujet, hop, tac, ça, j'envoie. Et donc là, j'ai voulu tirer des cartes avant le live. Et j'ai tiré les cartes, parce que je travaille énormément avec les émotions et la transmutation des émotions vers l'amour, la lumière et la régénération en amour et en lumière. Et donc, j'ai demandé aux cartes. Je sens très fort. Alors, on le ressent beaucoup. Oui. J'ai le cœur qui bat, mais c'est pas parce que j'ai peur, hein. C'est parce que c'est très intense. Donc la première carte, c'est la carte de la paix. Ce que j'ai demandé avant, j'ai demandé de pouvoir transmettre ce dont les gens ont besoin maintenant pour les accompagner dans cette transition, pour les accompagner dans cette transmutation vers l'amour et la lumière dont je parle constamment et qui est tellement importante aujourd'hui. Comment on fait? Alors, la paix, c'est ce que j'ai tiré en premier, d'accord? Et donc, c'est les cartes que j'ai, c'est des cartes, oui, qui sont en lien avec les huiles essentielles, puisque je suis connectée au monde de la Terre et les huiles essentielles énormément. Mais voilà, donc ça vient avec des affirmations. Et donc, l'affirmation que vous pouvez vous dire... Alors, éventuellement, je pourrais l'écrire plus tard sur le replay sur la chaîne YouTube. Je pourrais écrire dans les commentaires. Ça dit ça. Donc, je reste serein ou sereine afin de trouver un équilibre sain. Donc, déjà ça, la recherche d'équilibre en soi, de connexion en son centre, tout est une question d'équilibre, d'ailleurs, hein, dans la vie en règle générale. Ouais. Voilà, on doit s'équilibrer. Je me détends et j'oublie tous mes soucis. Je me concentre sur la beauté de mon cœur. Encore une fois, je me concentre sur mon centre. Je sais qui je suis, je sais ce que je vibre et je me laisse porter par ce plan divin qui me demande de me connecter en moi, en mon intérieur, en mon cœur. Et je trouve ça vraiment très, très beau. Donc, si vous avez des huiles essentielles, vous pouvez, par exemple, vous servir du géranium, de la mélisse, du citron, romarin. Donc là, voilà, moi, j'ai sorti mon romarin tout à l'heure. Et donc, vous n'hésitez pas à respirer, à le mettre sur vous et vous connecter dans cette énergie de paix. Et après, j'ai demandé, est-ce qu'on a besoin d'une autre carte? On m'a dit, oui, tire une autre. La gratitude. Et je voudrais de lire, je voudrais vous donner mon témoignage par rapport à ça. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà eu des moments difficiles, bien sûr, dans la vie, puisque la vie est ainsi faite. Pour ma part, lors des moments les plus difficiles, hein, mais c'est aussi ça qui nous permet de monter dans notre lumière, n'est-ce pas? C'est la gratitude. La gratitude. Dans les moments où on ne sait même plus où la trouver, eh bien,
elle est pourtant là. Et elle est pourtant là pour nous accompagner, la gratitude. Et donc, voici ce que ça dit. J'exprime régulièrement ma gratitude, même pour de petites choses. Ainsi, je trouve plus de choses pour lesquelles je peux être reconnaissant. Ne serait-ce que la lumière du soleil, le chant d'un oiseau. Ça peut paraître un peu coucou bisounours, mais c'est vrai, ça aide énormément. Moi, ça m'a sauvé la vie à une certaine époque de ma vie, d'être dans cette gratitude même pour les plus petites choses, même quand on est dans les endroits les plus obscurs, il y a toujours cette lumière de gratitude. Et donc, je suis reconnaissant pour tout ce que je suis, ce que j'ai et ce que je vis. Donc, d'être reconnaissant pour ce que l'on a et de laisser partir cette envie d'être, cette envie d'avoir, cette envie de... on a déjà tout ce dont on a besoin à l'intérieur. C'est vrai. Et donc, les huiles essentielles qui sont mentionnées, c'est passion. Donc, ça, c'est chez doTERRA, c'est passion, ça sent divinement bon. Et vous avez aussi le cyprès, le jasmin et la tangerine. Donc, voilà les deux cartes. Et peut-être que je vais recevoir quelque chose. Donc, je ne sais pas, je vais me connecter. On va voir si c'est... Généralement, je reçois plus des images. Donc, je vais voir ce que je reçois, si c'est OK. Oui, nous vous parlons souvent de paix. Nous vous le répétons très souvent lors de différents messages canalisés, écrits. On vous répète souvent le mot paix. Où est la paix? Eh bien, encore une fois, on va vous le dire, elle est en vous. Comment je fais pour avoir la paix? Elle est en vous. Unissez-vous, qui vous ressemble. Unissez-vous tous dans cet amour dont nous parlons constamment. Unissez-vous avec les personnes qui vous comprennent afin de pouvoir trouver cette paix. Délaissez-vous, libérez-vous de ce qui peut être perturbateur de votre paix intérieure. Unissez-vous avec ce qui vous apporte la paix autour de vous. Mais avant tout, trouvez cette paix en vous, cette liberté en vous. Alors oui, ça peut paraître facile à dire. Il y a des outils pour cela. Faites ce qui vous donne de la joie. Ne l'avons-nous pas suffisamment répété? Dansez, chantez, jouez, reconnectez-vous avec votre âme d'enfant. Elle est là. Elle est dans la joie. Quand vous êtes en joie, vous êtes en paix. Alors faites ce qui vous apporte la joie. Peu importe ce que où on peut dire, vous savez ce dont vous avez besoin. Unissez-vous, vivez la joie et bien sûr, connectez-vous à votre mère parce que votre mère vous apportera tout ça, joie et paix. Merci Christelle. C'est tellement vrai ce que tu dis parce que remarquez quand vous êtes plus déprimé ou moins dans la joie, juste le fait de mettre une musique joyeuse, notre énergie, elle change tout de suite. Donc, ça veut dire que c'est pas si difficile que ça à faire de changer d'énergie. C'est surtout avec, c'est ça, moi je trouve, Sandalphon, il parle beaucoup du moment présent. Puis il appuie beaucoup là-dessus, la joie. Faites des choses qui vont être joyeuses. Mettez de la musique joyeuse. Vous vous levez, vous êtes déprimé. Mettez tout de suite une musique joyeuse. Vous allez voir, votre énergie va changer. Voilà. Parce que tout est vibration. Exactement. Puis, Sandalphon voudrait peut-être ouvrir une petite parenthèse sur la gratitude rapide. C'est pour ceux qui sont en grande difficulté présentement, qui cherchent des moyens, comment je peux faire pour changer tout ça. Oui, tout ce que tu as dit, c'est merveilleux puis c'est facile à faire. Mais pour la gratitude, dans des périodes très difficiles, moi, je commence à dire le mot merci. Merci, 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 merci. Je ne dis que ça parce que je suis comme pas capable. Quand c'est trop difficile, je suis pas capable de dire merci pour si, merci pour ça. Là, non, je suis dans un état difficile. Mais juste le mot merci, répétez-le. Vous allez voir, c'est comme la musique, à un moment donné, ça change votre vibration.
Totalement, totalement. Puis là, vous entrez dans la gratitude. Parce qu'après, merci, ça va être ah, oh, c'est vrai, merci pour j'ai de la nourriture, merci pour la maison, merci pour ci, merci pour ça. Ça va venir tout seul, mais commencez juste par merci, 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 merci. Puis ça va se transformer. C'est facile à faire. Tout à fait. Et Marie, tu te rappelles, j'ai posté la vidéo, je pense peut-être certains, s'il y a certaines personnes qui me suivent, je ne sais pas, sur ma page perso, j'ai posté une vidéo justement d'une personne qui parlait de ça. De si vous saviez à quel point il y a des gens qui aimeraient être à votre place. Oui. Même si vous avez l'impression qu'il y a... sur le lotus. Exact. Oui. Il y a tellement de gens qui voudraient être à votre place. Donc, voilà. Merci. Je suis vraiment contente que... Tu voulais rajouter quelque chose, Christiane? Ce que nous vivons présentement, c'est majestueux, c'est grandiose. Oui, c'est touchant. C'est aussi touchant, aussi difficile que le magique, la grandeur de cet événement que nous vivons. C'est quelque chose... Il faut se retirer un peu juste de l'événement puis regarder l'ensemble de tout ça. Il y a une raison à tout ça. Ce qui se passe présentement sur la planète, on est 7 milliards à vivre quelque chose. C'est quelque chose de vivre ça, là. C'est un événement qu'on n'a jamais connu. C'est impossible que ça ne nous conduise pas vers quelque chose d'extraordinaire. C'est impossible. Pour moi, on s'en va vers quelque chose de beau, de pur, de l'amour, de l'entraide, de la générosité. Puis je vous parle pas d'un monde de bisounours, là. Je vous parle vraiment ce qui s'en vient. Mais Sandalphon me dit de préciser que oui, ça se peut qu'il y ait des événements. Ça se peut qu'il y ait d'autres événements dont je ne sais pas parce que ça ne sert à rien. Le coronavirus, je ne le savais pas avant. Puis on n'a pas à le savoir avant. Mais il dit ne pas vous inquiéter, vous êtes tous préparés. Tous préparés. Puis les âmes qui ont décidé de quitter, il me dit, ne soyez pas aussi chagrinés, car ces âmes sont tout autour de votre planète, dans un cerceau de lumière, et vous aident à traverser avec la Terre. Donc, toutes les personnes que vous avez perdues, des êtres chers, ces êtres chers sont près de vous, et nous les avons accueillis dès leur sortie de votre planète. Alors, soyez assurés que c'était leur choix, et de respecter leur choix. De respecter leur choix. Oui. Excuse Marie, je t'ai coupé Marie. Ah non, mais c'est très bien. C'est très important. C'est merveilleux. Ah oui. Ouais. Non, c'est très important ça. C'est le plan, ça fait partie d'un grand tout, d'un plan divin que on n'a pas la perspective globale. Hein. Souvent on voit des images où il y a quelqu'un qui vit son truc, s'arrêter, il voit ça. Et en fait, pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui est en train de voir un autre truc totalement. Et tout ça, ça fait partie d'une grande toile. Et on est tous acteurs, mais on est tous importants. Et comme tu dis, c'est vraiment beau. Les personnes qui ont choisi de s'en aller, elles ont une mission maintenant qui est très importante aussi. Oui. Alors, moi, ce que je voudrais te dire, c'est qu'on est en train de grandir dans notre cœur, qu'on est en train de grandir dans notre fréquence, dans notre être, dans tout notre être, on est en train de recréer, on est en train de transmuter, on est en train de grandir. Mais en fait, la vie est parsemée pour grandir de leçons qui sont planifiées. Et l'homme a besoin en fait aussi d'avoir des mises à niveau, des situations où il ne se sent pas tout puissant, où il ne se sent pas en sécurité. Et le fait justement qu'on ait dû peut-être à un instant T avec le Covid ne pas se sentir en sécurité, ça nous a fait grandir et se remettre dans notre essentiel. Et ce que les guides me disent, c'est que ça va continuer en fait à la vie pour nous faire grandir vers cette paix, dans cette conscience de paix, d'introspection dans lequel nous sommes déjà, mais que certains ne le sont pas et une partie de l'humanité ne le sont pas et ne sont pas tournés vers le respect et dans cette conscience d'unité de ce monde et des êtres vivants, il va y avoir sans doute des leçons à planifier pour que la paix dans chacun puisse se tisser et qu'elle puisse alimenter par nos cœurs le cœur de Gaïa. Donc, cette paix, on en parle, on la diffuse, on est là pour diffuser dans nos consciences, mais elle doit
continuer son chemin. Elle est vivante, cette paix, et elle doit continuer à se tisser, comme ils l'ont dit, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi changer les choses. Donc, cet état dont on parle, et c'est ce soutien qu'on est, oui, mais il y a des leçons qui vont être planifiées aussi pour nous faire lâcher encore plus, parce que là, nous, ça nous a fait avancer le confinement et on est dans l'accueil. Mais jusqu'à où on va reprendre cette logique peut-être encore d'être en sécurité ou de devoir encore chercher notre équilibre, alors que la vie, c'est constamment un équilibre, une bascule. Et donc, c'est le son qui arrive, qui vont arriver. Il ne faut pas en avoir peur parce qu'on est soutenu. Et puis, notre âme sait, en fait, hein, la Terre sait, tout le monde sait. Mais ce qui est bon, c'est aussi de se préparer à tout. Se préparer à tout et se dire qu'avec cette gratitude, c'est pour ça que la gratitude est sortie, c'est que la gratitude doit être sortie parce que qu'importe ce qui peut se passer dans notre vie, mais dans l'univers, pour venir vers cette paix, il y a forcément cet accueil des choses, mais de tous les bords. Et ouais, ça peut être des constructions de ponts de lumière, mais qu'importe les événements ou les leçons planifiées, les choses se feront dans un pont de lumière magnifique, que les choses doivent arriver, cette justice doit se passer. Et ce que j'ai envie, moi, juste de rappeler, c'est que ce n'est pas le monde des bisounours, Christiane. Et effectivement, il n'y a pas un monde des bisounours. C'est personne ne vit une vie des bisounours. C'est cet élan d'amour qui doit primer avant tout. Mais dans notre réalité, eh ben voilà, il y a tout ça qui va s'actionner et qui s'actionne encore par des leçons que nous tous traversons individuellement et collectivement et avec Gaïa. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, puis Sandalfour rajoute des choses par dessus. Qu'est-ce que tu as dit? C'est que chaque fois qu'il va arriver un événement comme le coronavirus, c'est un saut quantique que la Terre fait, que les humains font. Mais le saut quantique, c'est dans le but d'ouvrir le cœur. C'est vraiment ça. C'est exactement ce que tu dis, Marie. Donc, les événements, c'est pas tragique. Ça demande une adaptation. C'est sûr, c'est certain, c'est pas facile. C'est ce qu'il dit Sandalfour. Mais c'est que à chaque fois, vous faites un saut plus haut vers la lumière. Puis il dit, pour tous les êtres qui sont dans l'impatience de pouvoir traverser en un clin d'œil vers l'autre niveau de conscience, nous vous demandons d'être patient et de donner la main à ceux qui ne sont pas éveillés encore. De donner la main à vos frères et sœurs de lumière pour les amener vers la lumière. Et puis, ça va être comme en étage, un peu comme ça. Les gens sont éveillés, ils vont aller chercher ceux qui sont sur le point de s'éveiller. Ensuite, on va descendre comme ça jusqu'à temps que tout le monde soit éveillé et qu'on soit dans l'autre niveau de conscience. Et ils nous demandent d'être patients. Et en même temps, est-ce qu'on est vraiment éveillés, ceux qui sont éveillés, est-ce qu'ils le sont vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un autre éveil finalement? Donc finalement, ceux qui sont éveillés ne sont pas éveillés parce qu'ils sont en chemin et on est constamment dans son chemin. Voilà. Ouais. Mais l'éveil, ça finit jamais, Marie, parce que on va être au cinquième niveau, il faut s'éveiller pour aller au sixième, il faut s'éveiller pour aller au septième. Je veux dire, c'est à l'infini l'éveil. Hein? Oui, mais il n'y a pas. Je pense que sur notre plan Terre. Ouais. En fait, je ne sais pas si on est tous sur les mêmes niveaux de conscience parce que c'est comme si on était justement, voilà. Donc, je pense que c'est beau de dire que nous sommes tous en chemin individuel qui permet de faire monter à notre niveau de conscience, pas de notre niveau. Voilà. Et en fait, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que à chaque fois qu'on est en train de grandir par des événements, en fait, on apprend et on se modifie, on abandonne des schémas, comme tu le dis. Mais c'est aussi par rapport à la Terre. C'est-à-dire qu'il y a plein de réseaux, plein de choses qu'on n'a pas compris par rapport à notre Terre. Et la Terre est notre plus bel enseignement. Donc, on me montre qu'il va y avoir l'ère de Gaïa aussi. L'ère de Gaïa qui va pouvoir enseigner. Parce qu'à l'intérieur, il y a des nouveaux mondes, il y a des océans, il y a plein de choses qui doivent émerger. Ouais.
et des nouvelles ressources qui doivent émerger aussi. Donc, c'est la fin de l'air vers l'extérieur pour se ramener vraiment dans l'air. En ce moment, on se dit oui, c'est juste pour nous ramener dans notre essentiel, mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est que dans la terre, il y a des noyaux et des enseignements et par rapport à nos niveaux de conscience qu'on n'a pas encore découvert et que c'est pour le moment, on est en train de transiter tranquillement pour revenir vers cette unité avec notre terre. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Et même moi, ma conscience n'en a pas conscience. Oui. Mm-hmm. Oui, c'est ça. On n'a pas conscience de beaucoup de choses, bien sûr. C'est vrai, tout à fait. Je ne sais pas, vous faites. C'est fou, quoi. C'est fou parce qu'en fait, tout est à découvrir. En fait, même quand c'est s'auto-suffire de ce qu'on est, de rentrer dans soi, dans la gratitude. Mais en même temps, finalement... C'est partons à l'aventure aussi à chaque instant sur tout ce qu'on va découvrir. Oui, tout à fait. Puis chaque personne est à la bonne place présentement et dans le bon pays, au bon endroit, dans la bonne ville, par rapport à ce qu'on doit vivre. On est tous à la bonne place. Oui. Donc, oui, complètement. Il y a un commentaire ici intéressant parce que j'avais envie de rebondir dessus. J'essaie d'aider une amie, mais elle est négative et me dit que c'est moi qui me trompe de chemin. On a tous notre libre arbitre, bien sûr. Ouais. Donc, on respecte ce que chacun pense. Mais si chacun respecte l'autre, on cultive mais on continue à cultiver la paix. On ne peut pas forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est OK. D'accord, merci. Comprendre. Et puis chacun elle peut pas comprendre. Elle peut pas comprendre ce que tu vibres. Elle peut pas comprendre là où tu dans lequel tu es. Donc donne-lui de l'amour. Donne-lui de l'amour et voilà. C'est ça. Tout à fait. Voilà, c'est plus notre niveau de conscience va s'élever, plus on va s'accepter dans toutes nos différences. Il n'y aura plus de jugement. Il y aura plus. Chaque être humain va respecter la vitesse d'évolution de l'autre. Donc on n'est pas tous à la même place. Et voilà. C'est la beauté, c'est ça, c'est ça qui est la beauté. Là. On s'enseigne des choses entre nous, c'est merveilleux. C'est l'équilibre, c'est oui, ça. Tout à fait. Il y a Solange qui demande combien de temps va durer le changement environ. On parle de 5 ans, est-ce vrai? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Christelle. Pourquoi Christelle? Ils disent Christelle. Non, attends, je vais voir. Je vais voir si j'ai des infos. Je téléphone. On aimerait que vous cessiez de chercher à comprendre le temps, parce que le temps, en fait, n'existe pas. Nous pouvons donner des échelles, mais encore une fois, l'échelle du temps peut toujours se modifier. On ne veut plus que vous soyez pressé de savoir combien de temps, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire. Plus vous allez vous poser ce genre de questions, moins vous allez réussir à être dans l'instant présent et à lâcher prise et être dans cette paix intérieure. Donc, nous ne souhaitons pas répondre à cette question par une exactitude. Nous souhaitons y répondre par 5 ans nous paraît une possibilité, mais nous avons l'impression, encore une fois, nous vous demandons de ne pas trop vous attacher à cette réponse, nous avons l'impression que ça se passera bien avant. Certaines choses vont se passer avant. 5 ans, c'est comme lorsqu'on vous demandait où voulez-vous être dans 5 ans. Où est-ce que vous voulez être dans 5 ans? C'est comme si on nous demandait à nous où est-ce qu'on veut être dans 5 ans. Cela ne dépend pas de nous. Combien d'entre vous ont fait des plans, se sont dit tiens, dans 5 ans, je serai ça, et la vie s'est passée tout autrement? Vous voyez ce que nous voulons dire? Nous pouvons nous projeter, et nous aussi, nous pouvons nous projeter dans un espace-temps qui vous correspond, puisque nous ne vivons même pas dans le même espace-temps, en gardant toujours la possibilité que certaines choses aient du coup changé le temps. C'est ça qui se passe dans l'espace-temps. Rien n'est figé dans l'espace-temps. Nous regrettons si ce n'est pas exactement la réponse que vous cherchez, mais c'est la réalité du temps. Le temps n'existe pas. Merci Christelle. Merci Christelle. Mais tout à fait, parce que les événements
dépendent toujours de notre vitesse d'évolution. Donc, si on éveille notre conscience très rapidement, si on prend conscience de plein de choses, ça va accélérer les événements, mais ils sont très respectueux en haut de notre évolution. Donc, ils nous laissent complètement aller au rythme qu'on veut. Si la Terre, les humains décident que, OK, on s'unit tous par la main demain matin, ça pourrait arriver, on ne le sait pas. Donc, ça veut dire qu'il y aurait tout de suite un grand changement sur notre planète. Mais je pense qu'il faut laisser aller les choses, puis en haut, ils nous laissent aller à notre propre rythme aussi, là. Ben justement, et je voudrais rebondir sur Véronique qui dit « Nous avons la chance d'être protégés dans tous les sens du terme, mais pensez-vous aux sinistrés actuellement au Bangladesh ?» Ben, c'est pour ça qu'en fait, que je parlais des leçons, les choses qui sont en train de bouger pour pouvoir modifier l'humanité. Mais alors, est-ce que tu veux intervenir, Christiane, toi, pour pensez-vous aussi sinistré actuellement au Bangladesh? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on en pense de ce qui se passe en fait au Bangladesh, les typhons qui se sont passés en Inde et tout ça? Est-ce que vous voulez intervenir dessus? Est-ce que vos guides veulent intervenir? Sinon, moi je... Oui. Vas-y. Après. Ouais, vas-y Christelle. Ouais, oh là là. Ouh, merci Christelle. Cette terre est une terre, comme vous le savez, de dualité. C'est une terre où il se passe des choses qui ne sont pas joyeuses, il se passe des horreurs. Je sais que c'est, enfin, nous savons que c'est difficile à comprendre pour beaucoup toute la douleur sur la terre. Nous vous demandons d'essayer d'ouvrir à la possibilité que, encore une fois, tout ça fait partie d'un grand plan, que tout ça fait partie aussi de ce que les hommes sont venus vivre. Les personnes dans le monde qui traversent ces situations si tristes et difficiles ont choisi de les vivre. C'est leur libre arbitre, aussi terrible que ça puisse paraître dans votre réalité. Tous ces êtres ont choisi de naître là où ils sont nés, ont choisi de vivre ce qu'ils sont venus expérimenter et ce qu'ils traversent, même dans les choses les plus difficiles. Tout ça fait partie du plan pour aller dans la lumière, pour que les âmes, il ne s'agit plus de l'être humain, il s'agit de l'âme, pour que l'âme puisse continuer son ascension. Il ne s'agit pas d'un plan terre, c'est plus grand que ça. Merci Christelle. Merci Christelle. C'est ce que exactement j'aurais canalisé. Tout à fait. Parce que les âmes ont vraiment choisi ce qu'elles venaient vivre ici et ce qu'elles vivent fait évoluer les autres âmes autour d'elles. On est tous interreliés. Hein. Les événements qu'on vit vont toucher les personnes autour de nous. Ces personnes vont vivre des événements qui vont toucher d'autres personnes. On est tous interreliés. Puis oui, je pense qu'on a vraiment choisi de venir vivre cette expérience. Puis là, on est dans une expérience collective incroyable. C'est sûr qu'on va vivre des choses au niveau collectif parce que c'est des souffrances, on les a vécues au niveau individuel. Depuis des années, on a fait des nettoyages en nous, on a modifié des choses en nous, on a transmuté des choses, mais on est rendu à transmuter le collectif. Donc, c'est pour ça qu'on a un virus collectif mondial. Et puis, les événements qui s'en viennent, même si je ne sais pas l'événement exactement, mais je crois que ça va être encore un événement collectif, mais où les humains vont plus vont se rapprocher. C'est comme si le virus, on ne pourra même plus y penser dans la prochaine étape. Donc, cette étape-là est déjà terminée. Oui, à la distanciation, mais c'était pour qu'on retourne en nous, qu'on voit l'importance de ceux qui sont près de nous, parce qu'après, quand on se réunit, c'est la joie. Donc, il faut qu'on se réunisse avant le prochain événement. Prochain événement, on va être vraiment, on va travailler sur le plan physique. Ça va être sur le plan physique. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est ce que j'ai ressenti aussi.
j'ai ressenti ça, j'étais là, oh, j'ai tellement de gratitude là, de pouvoir reconnecter à l'extérieur. Et je me dis, pourquoi je ressens que c'est important de profiter de tous les gens au maximum, là en ce moment, de se reconnecter, de refaire de se revoir, et quand, en plus, c'est beaucoup plus intense parce qu'on a été séparés, donc cette conscience de, oh, tu m'as manqué, oh, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire, on se reconnaît à toutes les choses qu'on a envie de faire, comme si on nous disait, ok, si tu devais faire des derniers trucs avant de partir, ce serait quoi? Alors, c'est forcément ça, hein, mais cette impression de, qu'est-ce que je veux faire là maintenant? Je ne vais pas attendre demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, dans un an, dans 10 ans. C'est maintenant. Ouais. C'est pour nous amener aussi à faire ce qu'on aime là maintenant. Se connecter aux gens qu'on aime là maintenant. C'est parler de l'âme. Tout à fait. Son âme. Puis là, Sandalphon revient parce qu'il veut rassurer les gens. Il ne veut pas que vous soyez dans l'inquiétude. Il ne veut pas que vous soyez dans l'inquiétude car on est hyper protégé. On est hyper protégé. Tout va bien aller. Tout va bien se passer. Il n'y a aucun problème. Okay. Parce qu'il y avait d'autres, il y a encore beaucoup de souffrance sur la terre et pour les animaux. Bah pour les animaux, c'est pareil, leur âme, on choisit cela aussi. Mais c'était aussi, qu'en est-il des lois universelles? Il paraît que nous n'avons plus notre libre arbitre. Alors, il y a cette question-là. Et puis, y a-t-il de nouvelles personnes qui vont sortir du lot, avec de nouvelles idées pour améliorer le sort de la terre, le sort des hommes? Donc, il y a un petit peu tout ça. Donc, je vais revenir un petit peu là-haut. Parce que je ne sais plus déjà ce que j'ai dit. Alors, c'est vrai que nous n'avons plus leur libre arbitre. Ça dépend dans quel état de conscience tu vis ta vie. C'est-à-dire que ton libre arbitre, si pour toi tu veux entendre et si pour toi c'est important pour te rendre libre dans ton état de conscience actuel, si pour toi dans ta vie tu as besoin de te dire que tu as le contrôle, eh ben, c'est super. Mais peut-être qu'effectivement, dans une évolution prochaine, peut-être que tu te rendras compte que tu n'as pas tant que ça le libre arbitre et que cette intelligence d'amour, elle sait, avec ton âme, te guider pour le bien, pour ton bien et pour le bien de l'humanité. Et que peut-être que les choses, là encore, on ne peut pas complètement savoir, mais peut-être que les choses, en fait, sont déjà articulées de façon merveilleuse et que, voilà. Mais personne ne peut avoir cette réponse, en fait, est-ce qu'on a encore notre libre arbitre? Ça dépend de comment tu conscientises ta réalité. C'est ça. Et oui. Et puis, ça dépend de quel plan tu parles. Est-ce que tu parles de ton plan chair? Est-ce que tu parles de ton plan âme? Est-ce que tu parles de ton plan... C'est une question qui englobe tellement de choses, mais la liberté, voilà, c'est... parce que encore une fois, c'est une question de contrôle. Là, quand tu dis, est-ce que j'ai mon libre arbitre, est-ce que c'est moi qui contrôle? Alors, oui, sur un certain plan, oui, mais sur un autre plan, peut-être pas complètement. Mais c'est juste quand même. On est quand même libre. Je pense qu'on nous fait croire en fait qu'on a le libre arbitre pour justement qu'on apprenne par notre ego à nous positionner et à apprendre en fait les leçons. Si on n'avait pas cette sensation de pouvoir contrôler un minimum, ben en fait, on ne pourrait pas apprendre et en fait être je et se positionner dans je suis. Et donc, dans l'action. Et dans l'action aussi. Dans l'action, c'est important. En fait, avoir une image de soi, une étiquette de soi et comprendre comment je suis formée, qui je suis, quelles sont mes personnalités, quelles sont mes envies. Tout ce qui est lié à son ego, si on n'avait pas le libre arbitre, dans notre ego, en fait, on ne pourrait pas apprendre. Et donc, on ne pourrait pas avancer ni ascensionner. Exactement. Voilà. Donc, ça dépend comment tu vois ton libre arbitre. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui vont sortir du lot avec des nouvelles idées pour améliorer le sort de la terre et le sort des hommes? En fait, on me montre que c'est un par un, 1+1, 1+1, 1+1. C'est un chaînon collectif. C'est vraiment une dimension. C'est pas le héros qui va arriver. Est-ce que les extraterrestres vont arriver ou est-ce qu'il y a des consciences supérieures qui vont arriver? C'est possible. C'est aussi possible, mais là encore, il n'est pas bon de dire les choses parce que ça va modifier aussi le cours de l'humanité si les plans supérieurs nous disaient ce qui allait se passer. Et puis, donc, il faut garder, je pense, s'il y a des héros, des personnes qui vont changer les choses, on me montre que c'est, en tout cas moi, les filles après, vous me direz, moi, on me montre que c'est vraiment plutôt des consciences individuelles qui vont transiter tranquillement pour une nouvelle loi universelle.
Mais c'est déjà commencé ici au Québec, je te dirais. Moi, je vois déjà des cellules, des petites cellules qui pop-up un peu de partout. Puis, je vois plein de jeunes, parce qu'ici, on a un hiver qui est extrêmement long. Je vois plein de jeunes qui ont déjà commencé à créer une culture qui va être tout l'hiver, pour avoir des fruits, des légumes tout l'hiver, pour arrêter de tout importer. Moi, je vois, puis je vois beaucoup de jeunes qui démarrent des éco-villages ici au Québec. Donc, en France aussi. Beaucoup de choses qui sortent déjà là, avec les nouvelles générations qui ont déjà des vibrations élevées, qui apportent des nouvelles idées. Alors, c'est merveilleux. Moi, je vois déjà du positif. C'est ça. C'est déjà en cours, ça. Et comme dit Marie, ce n'est pas le héros qui va... C'est tous ensemble dans cette collectivité de conscience qui s'élève, de comprendre et donc dans toutes ces actions qui sont en train de se mettre en place. On est tous les héros. Là, on est tous les héros. Alors, on ne parle que de collectif. Hein? On s'en va vraiment vers la collectivité. Hein? On vit un virus qui est collectif. On va avoir une culture, ça va être collective. Tout va changer. On s'en va vraiment vers le collectif. Là. Même si on a l'impression qu'on est confiné. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le collectif en étant dans son intérieur. Donc, c'est ça qui est extraordinaire aussi. Oui, complètement. Alors, il y avait va-t-on pouvoir guérir des maladies graves telles que le cancer? Les énergies libres, non polluantes pour notre planète mère, vont-elles bientôt se mettre en place? Est-ce que quelqu'un veut répondre? C'est délicat parce que ça nous dépasse dans un sens où il y a quand même certaines forces encore omniprésentes. Est-ce qu'ils veulent répondre à ça? Je sais pas. Ça dépend des états de conscience, comment ça va évoluer. Et voilà. Les états de conscience Qu'est-ce que le cancer dans l'état de conscience dans lequel on vit? Quand on change d'état de conscience, la maladie, on la voit autrement. Et donc, les énergies d'auto-guérison et les captations des énergies qui vont nous guérir vont complètement C'est plutôt ça. Ah, Marie, tu fais rire sans Dalphon parce que tu lui as enlevé le message qu'il voulait transmettre. C'est exactement ça, exactement. Les maladies vont disparaître. Quand notre niveau de conscience va s'élever, les maladies vont disparaître parce qu'on n'en aura plus besoin pour comprendre des choses. Et voilà, comme le virus est en train de disparaître parce qu'on a compris quelque chose, on va passer à une autre étape, tout simplement. Hein? Voilà, ça c'est bon. Encore une fois, ça se passe sur d'autres plans. Donc c'est pas oui ou non, c'est... Ouais. Et les énergies libres, c'est trop tôt pour qu'on en parle, on n'est pas prêt. Ça va venir après parce qu'on est, plus en transformation présentement, puis en transmutation, que tout est là. Tout est là pour une planète pure, purifiée, avec l'abondance et tout, mais il faut transmuter, il faut faire des choses avant, là. Exactement, c'est ça. On n'est pas encore dans la création, dans la transmutation. Christiane, toutes ces âmes qui ont quitté ce monde ne savent pas ce qui leur est arrivé brutalement pendant cette pandémie. Sont-elles dans l'astral ou dans la lumière, vu la douleur de leurs proches? Dans la lumière, sans hésitation, c'est dans la lumière, vraiment dans la lumière, parce que ce virus, ces gens ont accepté de quitter la planète à cause de ce virus, pour qu'on comprenne des choses. Et moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très inquiets à ce niveau-là, et puis ce que les guides m'ont dit, c'est que de pas être dans la tristesse, parce que ils les récupèrent, puis elles ont un rôle très important à jouer. Donc, elles ont accepté de quitter la planète par la cause du virus pour aller dans le cerceau de lumière pour nous seconder. C'est merveilleux. Puis je le vois très bien, le cerceau de lumière. Je le vois très, très bien. Ils sont accueillis avec amour de l'autre côté. C'est incroyable. Ils sont accueillis avec amour. On les remercie. On les remercie d'avoir joué ce rôle important dans ce moment important sur la planète. On les remercie. Je vous le dis, je les vois, les êtres de l'autre côté. Puis, Ils disent merci. Ils disent que c'est important qu'ils puissent, que tout va bien. Oui. Puis je suis capable de canaliser les défunts. Des fois, avec des clients, je vais le faire, certains clients, quand c'est nécessaire. Puis ceux qui quittent présentement, c'est vraiment ça que je vois. Ils sont vraiment dans la lumière. Ouais. Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ce soir.
Alors, il y avait. T'en passes vite. Ouais. Vont-ils avoir le temps de nous imposer la 5G, oui ou non ? Christiane, tu veux répondre ? Christelle, vont-ils avoir le temps de nous imposer la 5G ? Moi, c'est non. Moi, j'entends non. Et ils n'ont même pas envie de ça trop. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent vraiment répondre par rapport à ça. Non. C'est pas trop l'inquiétude. Enfin, on ne devrait pas s'en inquiéter, c'est ça que je reçois. Normalement, il y a d'autres choses qui vont se passer, qui vont chambouler les. Exactement, mais beaucoup de choses, je dirais plutôt négatives, qui essaient de se mettre en place présentement, mais il y a tellement d'énergie positive autour de la planète qu'il y a des bâtons dans les roues tout de suite. Mm-hmm. Même si à notre petite échelle, à nous, on a l'impression que c'est terrible, mais il y a tellement d'êtres de lumière qui travaillent autour que il n'y a rien qui va se faire de grave ou de négatif. Là. C'est terminé, on s'en va vers une nouvelle étape. Là. Mm. Ouais. Ouais, mais. Ben, des fois, à mon avis, ça ne va pas être non plus hyper fastoche, quoi. Il y a encore des choses qui vont se passer, mais voilà. Alors, tant qu'on reste connecté à cette fameuse paix, gratitude, confiance dans le plan divin, que tout est juste, que les âmes qui partent, elles ont choisi, que tout ce qu'on a énuméré ce soir, en fait, tout simplement. C'est ça qu'il faut s'accrocher. Avant qu'on finisse par se présenter, en fait, aussi, ce qu'on fait, parce que c'est important, mais j'avais envie de juste que, qu'on... Pour nous, ce qui est important de redire ce soir, ce que vous auriez envie de redire, les filles, ce soir. Et après, on terminera par les présentations. Est-ce qu'on... Voilà, si ça vous va. Ah, il y a la chanson. Oh, purée. Ah ouais, oui, elle est tellement belle. Faut que tu la fasses. Eh ben oui. Ah ouais, faut que tu la fasses. Créativité, qu'il faut chanter, exprimer les choses. Ah, puis on va inviter les gens qui ont pris les paroles sur en forme de lotus. Tu avais envoyé les paroles et tu l'avais chanté aussi. Oui. Alors, on vous invite à chanter avec Marie. Ouais, voilà, on vous invite à chanter. On ne peut pas le faire ensemble parce qu'on a fait les tests, ça ne colle pas avec la distance, ça fait des sons bizarres. Mais on vous invite à tous à chanter. Puis moi, je vais enlever mon micro et je vais chanter aussi. Aussi. En backstage. Là, je ne sais pas comment on fait pour couper le micro. Est-ce que vous voulez résumer quelque chose ? Est-ce que vous voulez formuler quelque chose ou canaliser quelque chose ? Je pense qu'on a, vraiment. Ben moi, j'ai un grand merci. J'ai un grand, grand merci. J'ai un grand merci de. En ce qui me concerne, de Saint-Dalphon, et il est tellement heureux, ils sont tellement heureux. C'est merci, 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 merci. Comme tu as si bien dit tantôt, le mot merci doit être utilisé régulièrement. Alors, merci, merci, nous vous remercions d'avoir été là, nous vous remercions d'avoir écouté ces messages et nous espérons avoir apaisé les inquiétudes. C'était le grand but de Saint-Dalphon, apaiser les inquiétudes. Soyez en paix. Merci. Soyez en paix. Merci. Tu veux dire quelque chose, Christelle, avant que... Ah, Christelle. Je pense que c'est parfait de terminer sur merci. Ok. Alors, on va juste faire le chant et puis on se terminera avec notre présentation. Le chant qui s'appelle... je ne sais plus. Le chant du soleil. Je ne sais plus. J'ai pu noter le titre qu'il m'avait donné. Ah oui, c'est vrai, le titre. C'est pas important, le titre. Ok. Ouais. Donc, les filles... Je vais couper mon micro et je vais chanter avec toi. Moi aussi. Ok. On accueille ce chant que j'ai canalisé pour l'événement. Merci à tous. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue chez nous l'espace du cœur, il est grand, il est si grand, nous l'espace du cœur, viens, tu le connais par cœur, pas de limite, non, 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 non. Pas de frontières, l'invisible là, là, tout est là, en toi et moi avançons,
de pas en pas, venons sonnons l'heure de la gloire. Venons vers la gloire. Venons vers la gloire. Nous sommes les Merci, Marie. Merci. C'est beau. Les paroles sont touchantes. C'est vibrant, très vibrant. Donc, venons vers cette gloire. Ouais, merci. Nous sommes l'espoir et avançons en confiance dans ce grand plan. Oui, oui. Donc, exactement. Avant de se dire au revoir, si les personnes veulent te connecter, Christiane, et avoir des guidances avec toi, quel est le lien? Christelle, je pense qu'elle mettra le lien en dessous. Ah ben. Te trouver. Qu'est-ce que tu proposes pour transmettre la lumière? Qu'est-ce que tu... Par Facebook, je pense Facebook, au nom de Christiane Sancartier. On mettra peut-être le lien sous la vidéo. Je mettrai. Je vais mettre le lien de Christiane sous la vidéo YouTube. Après. Oui, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir aider des gens, que ce soit ici au Québec, que ce soit un peu partout. J'ai fait des gens au Mexique, j'en ai fait en France, j'en ai fait un peu partout des gens. Je l'ai fait par Skype aussi, puis ça donne de très, très, très beaux résultats, vraiment. Donc, en fait, tu canalises pour les gens, tu fais des guidances, tu tires les cartes. Qu'est-ce que tu fais? Non, je ne tire pas les cartes. Ce que je fais, c'est que je vais chercher les guides et je fais la guidance pour les aider dans leur chemin de vie présentement, avec ce qui se passe dans leur vie actuellement, pour prendre certaines décisions ou pour les enligner comme il faut, voir clair finalement. Et puis, par la même occasion, il se fait un travail énergétique avec les guides. Car moi, je vais travailler par la parole en transmettant les messages des guides, des anges et des archanges. Mais ils travaillent également sur la personne au niveau énergétique. Et on m'envoie souvent, on fait souvent des liens avec les vies antérieures quand c'est nécessaire. Donc, si ce que la personne vit présentement, ça a un lien avec une vie antérieure, souvent, je vais avoir l'image de sa vie qu'elle a vécue. Puis, on fait des liens à ce moment-là. Puis là, ça fait des connexions et ça guérit des choses. Et lorsqu'il y a une communication nécessaire avec les défunts, parce qu'on doit rectifier des choses, on doit guérir un lien, ben la personne défunte va se présenter à ce moment-là. Mais je ne fais pas le défunt directement, mais si c'est nécessaire, la personne qui est défunte va venir guérir des choses. J'en ai fait un jeune homme la semaine passée, puis c'était de toute beauté avec sa mère, le lien du cœur qui s'écrit. J'ai vu l'amour qui passait d'un cœur à l'autre, c'était de toute beauté, vraiment, vraiment beau. Une grande guérison entre les deux personnes. Alors, c'est un peu ça que je fais, c'est un petit peu ça que je fais. Puis si tu me laisses la parole, deux petites minutes de plus, j'aimerais beaucoup, beaucoup... On est vraiment déçus que vous ne soyez pas au Québec dans le moment, mais j'aimerais remercier les gens qui avaient participé, ça va prendre 2 minutes, mais à toute l'organisation, parce que tout était prêt. Oui. Tout était prêt. Okay. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Alors Luc, justement Luc. Alors j'aimerais remercier Nancy, Lydia, la mère et la fille qui font un travail extraordinaire au niveau de la lumière ici au Québec. Luc, qui est un ange que vous avez connu. Luc, c'est un ange. On adore Luc. On ne peut pas ne pas aimer Luc. Sylvie aussi. Guylaine, c'est un ange aussi près de moi. Mélina, mon fils Samuel et Jessica. Je suis très, très bien entourée. C'est des gens qui avaient participé à toute cette organisation, mais ce n'est que partie remise. On a vraiment hâte de vous accueillir chez nous. Ça va être un grand plaisir. Merci à eux. Merci à eux, merci à toi, merci à tous. Vous êtes parfaits et vous me faites capoter. On te fait capoter. J'ai fait attention de ne pas utiliser trop de termes québécois pour que les gens me comprennent. On a tellement hâte de pouvoir vous rejoindre au Québec. Oh, oui. Ça va être une grande fête, je vous le dis, là, ça va être une grande fête, vraiment. Peut-être encore plus, tu vois, encore une fois, tout est juste, parce que peut-être encore plus maintenant qu'on a pu se rencontrer déjà. Connecté déjà, c'est comme si on allait voir des copains, quoi. on est déjà la preuve pour tout ce qu'on a dit aujourd'hui que la séparation
va créer une union plus forte entre nous trois. C'est déjà la preuve que la distanciation réunit. Et oui, encore une autre preuve. Alors, je vois l'heure qui tourne, c'est vrai, ça le temps passe vite. Alors, moi, donc Christelle Love, je travaille avec Marie en forme de lotus à Lorient. Donc, je reçois en présentiel pour les soins. Donc, je fais les soins purement huiles essentielles. Je travaille avec l'harmonisation et la vibration des huiles essentielles avec un soin qui s'appelle l'aromatouch. Je travaille aussi donc, dans un soin qui mélange donc, l'harmonisation des huiles essentielles avec la libération quantique et canalisation. Donc, je travaille dans le subtil, en quantique, et je canalise les messages des guides aussi. Je reçois des images, et tout ça dans le même but, hein, que pareil que Christiane, pour libérer ce qu'il y a à libérer dans l'instant présent, pour mener la personne vers son plein chemin. Je travaille pas dans les vies antérieures, je travaille vraiment dans cette incarnation-ci, et dans les liens transgénérationnels, dans cette incarnation. Et donc, toujours selon ce qui est juste et bon et plus imminent dans la libération. Après, j'insiste toujours sur le fait qu'on est toujours tous acteurs principaux et on a la responsabilité suite aux soins de continuer son travail de libération. Donc ça, c'était le soin en présentiel et je fais le soin à distance où je travaille donc dans le plan quantique. Donc il n'y a pas de distance, ça n'existe pas la distance dans le quantique, dans l'énergétique. Il se passe des choses absolument merveilleuses à distance, tout comme en présentiel. Et donc c'est aussi possible de le faire avec n'importe qui dans le monde et pour cette libération, afin de libérer ce qui est là pesant dans l'instant pour aller sur son chemin de vie. Donc voilà ce que je propose et tous les soins on peut réserver sur le site de En forme de lotus. Donc je le mettrai de toute façon tous les sites pour nous connecter, je les mettrai sous la vidéo. Et puis ben je termine par moi du coup. Ah oui, attends, j'ai oublié, je fais des conseils en aromathérapie aussi. Pardon, excuse-moi Marie. Je fais les conseils d'accompagnement, c'est important ça. Je fais les conseils d'accompagnement en aromathérapie aussi. Voilà, pardon. Excuse-moi Marie. Excuse-moi, et puis en plus, j'aurais pu rebondir aussi, mais j'étais en train de regarder le chat aussi, donc j'aurais pu rebondir. Et puis moi, je suis pareil, je fais des soins en présentiel et à distance sur Lorient en présentiel. Donc, c'est des soins écho de l'âme et du corps. On travaille sur des canalisations des guides et sur le travail de libération des corps subtils et des corps physiques. Et puis, à distance aussi, vous verrez sur le site internet, il y a des entretiens lumière avec vos guides pour vous aiguiller sur votre chemin, pour comprendre un petit peu mieux ce qu'est votre âme, qu'est-ce qui se passe dans votre petite fille intérieure et qu'est-ce que vous êtes amené à faire aussi. Ils vous guident en fait sur votre chemin, dans ce qui est juste et bon pour vous d'entendre à l'instant T. Et ensuite, après, c'est vous qui prenez la suite, mais voilà, l'entretien lumière avec les guides. Et puis, il y a le soin à distance, c'est donc un soin avec une canalisation et ensuite un soin de libération assez fort qui permet de retirer plein de liens vibratoires, de vous aligner dans votre être, de vous sentir plus en paix. Et j'ai aussi un forfait de suivi, donc c'est à peu près ça ce que je fais. Voilà. Donc, le pont de lumière est créé. Il faut que les énergies voyagent maintenant entre la France et le Québec. Ça veut dire, les Québécois, je vous invite à aller chercher des thérapies de l'aide des deux personnes qui sont en France parce que vous allez aller chercher une énergie de la terre de la France. Et j'invite les Français à venir traverser ce pont de lumière pour venir chercher les vibrations du Québec. Alors, c'est parti! Et oui, c'est tout à fait. C'est fort ce que tu dis là. C'est ça. C'est ça. Oui, très fort. C'est parti! C'est parti! Et oui, et puis... Et puis, je voulais aussi dire que avec l'En forme de lotus, on crée des retraites initiatiques et des retraites bien-être qui sont en ce moment en suspens. Mais on vous invite à rester en connexion avec nous pour tous ces projets où on peut se retrouver avec ceux du Québec aussi, à travers nos projets de retraite. Comme vous l'avez compris au début de le voyage et l'accompagnement dans des expériences, c'est quelque chose que j'adore. Et donc, c'est vraiment quelque chose que Marie et moi, on construit. On a eu notre retraite au mois de janvier qui a été extraordinaire. Et ce n'est que le début parce que c'est vraiment, c'est que le début de ces projets. C'est extraordinaire ce que vous faites. Hein? C'est extraordinaire les filles, ce que vous faites. Je vous encourage à continuer
C'est tellement beau ce que vous faites, tout ce que vous organisez. On ressent un amour incroyable de votre part. Ça traverse jusqu'ici, là. Les gens m'en parlent, mais mes amis qui vous écoutent, qui vous suivent sur en forme de lotus, c'est incroyable. Ça traverse jusqu'ici, c'est merveilleux. C'est de l'amour, que de l'amour. Bah, super hâte de venir vous voir au Québec. On vous aime et on aime. Merci à vous tous de nous avoir suivis parce que c'était. Merci à vous tous. Du samedi, mais c'était important pour nous de garder le 23 mai. Et à tout bientôt sur notre chaîne YouTube. Ouais. À bientôt. Si vous prenez contact avec Christiane, avec Christelle, avec moi, on vous aime. Et, oui, tellement. On est émue et reconnaissante avec énormément de gratitude par rapport à tout ce qu'on dit. Oui, vraiment. Tout à fait. Donc, oui. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer. À vous tous. Ouais. Et puis surtout, exprimez-vous, restez joyeux, rigolez, profitez de la vie. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Allez. Joie. Ouais. Connectez-vous à ce qui vous donne de la joie. Oui. C'est ça la paix. Oui. Allez-en. À bientôt. Merci, ce fut un plaisir. Merci. Et là, ça sera possible de voir en replay sur la chaîne en forme de lotus sur YouTube. Voilà. Ben, dès tout de suite, en fait, parce que c'est déjà là. Donc, voilà. Il n'y a pas de... À bientôt, vous tous. Gratitude. Ciao. À bientôt. Merci. Ciao. Stakoa. C'est Stakoa. C'est Stakoa.